Orides raconte « Je veux être grande ». Cybèle, la coccinelle, est très pressée de grandir. Tous les jours, elle réclame oh, « Je voudrais voler, jouer à cache-hirondelle, à saute-sauterelle, jouer avec les libellules à l'autre bout du pré. » Et tous les jours, sa maman lui répond « Tu es encore trop petite, Cybèle. Le pré est bien trop loin, tu ne pourrais pas rentrer. Quand tu auras 2 ans, tu pourras faire toutes ces choses. En attendant, préparons le dîner. » Mais Cybèle ne veut pas attendre. Elle voudrait déjà voler et traverser le jardin. Elle s'enfuit en boudant et rencontre en chemin Cybot l'escargot, le peintre du jardin. « Que t'arrive-t-il, Cybèle ? » lui demande-t-il. « J'en ai assez d'être petite. Je ne peux ni jouer, ni voler, ni chasser. Je dois attendre d'avoir au moins 2 ans pour faire toutes ces choses. » « C'est quand tes 2 ans ?» demande l'escargot. « Dans beaucoup trop longtemps. Peut-être quand j'aurai 2 petits points sur le dos ?» répond Cybèle. « 1 point par an, c'est dans longtemps, » admet Cybot. « J'ai une idée. » Cybot prend son pinceau et lui peint 2 petits ronds sur le dos. « Regarde, tu es vraiment jolie avec tes 2 petits points. » dit-il à la coccinelle en lui présentant un miroir. « Ouais !» dit Cybèle. « Mais j'en voudrais beaucoup plus. Ainsi, je serai sûre de pouvoir faire tout ce que je veux. » Cybot, qui aime dessiner, ne se fait pas prier. Il ajoute 1, 2, 3, 5, des dizaines de petits points noirs sur le dos de la petite coccinelle, ravie. Quand il a fini, Cybèle admire son dos si joliment décoré. « À moi la vie, je m'envole !» s'écrie-t-elle et elle s'élance. Impossible de décoller. Elle grelotte, tout saute et ses ailes tremblotent. Triste, elle rentre à pied à la maison. « Bonjour maman. »« Bonjour grande dame coccinelle, » dit maman à Cybèle, faisant semblant de ne pas la reconnaître. « Voulez-vous une chaise, une tasse de thé, quelques petits gâteaux secs ? Vous devez venir de loin. » Cybèle répond. « Mais c'est moi, maman, Cybèle !»« Vous vous trompez, grande dame coccinelle. Je ne peux être votre maman, vous êtes bien trop vieille. » Et elle compte les petits points sur les ailes de la vieille demoiselle. « Oh, vous avez au moins 100 ans !» Cybèle se sent toute triste. Elle ne peut ni courir, ni voler, ni butiner. Et sa maman qui ne la reconnaît plus. Elle se sent si triste qu'elle se met à pleurer. Et elle pleure tant et tant que les larmes la recouvrent et effacent toute la peinture, faisant disparaître tous les petits points qu'elle avait sur son dos. Alors Cybèle redevient comme avant. Maman s'écrie « Eh, hey, Cybèle, c'est toi, ma toute petite coccinelle. Mais où étais-tu passée ? J'étais là, maman. Je te regardais préparer le dîner, en attendant de grandir. »